Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On se retrouve après une petite pause des fêtes, mais quand même bon pied, bon oeil. On venait de terminer notre. Enfin, de terminer, de d'avancer notre quête principale, et on était a priori revenu dans notre village d'enfance avec. Apparemment, de ce que j'ai compris, les gens de notre peuple qui sont victimes d'une malédiction qui font qu'ils finissent par se transformer en animaux, tout simplement. Donc on a un petit renard, des loups et tout, sympathique. Par contre, on est à poil, hein. On n'a plus que la quête, et c'est tout. On n'a plus nos troupes, donc, et on peut également pas dézoomer. Donc, j'espère que quand on sortira, ça va se régler. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Oh, ok, c'est bon, on retrouve tout, donc on est... Ouf. Dans un endroit qu'on n'a jamais visité. Donc pour l'instant c'est tout noir. Et on est chez les rouges, les nazirs qui ne nous aiment pas, n'est-ce pas? Oh non, ça va. On avait payé pour qu'ils nous aiment pas trop. Donc on pourra essayer de venir pote avec eux, ça fera un petit peu de diversification. Alors est-ce qu'on peut passer là? Ok, parfait. Alors mon gars, donne-nous quelques petites quêtes pour se remettre. Alfoon Hills Bazaar. Ah, c'est où ça? On va regarder ça tout de suite. Golden Bazaar. Ok, c'est dans la même zone, donc on va dire que oui. Là. J'ai pas regardé par contre, ça gueule un peu partout là. On a des talents disponibles. Alors, il me semble qu'on avait terminé cette branche là. Est-ce qu'on continue sur celle-ci? On va peut-être essayer de partir. Ouais, essayer de débloquer des trucs comme ça là. Ça peut être pas mal. Politicien, allez, on en a deux en plus, allez hop. On va prendre plus de gains de faveur avec les factions et un peu de chance d'éviter de perdre de la faveur. Parce qu'on a vu que mine de rien, des fois ça c'était un peu le drame. Niveau ressources, on a absolument plus de bois donc on pourra pas faire grand chose, pas la peine de chercher. Au niveau des quêtes, est-ce qu'on avait des trucs dans le coin? Ça c'est à fleur. Tiens, ça, c'est loin. Les restes de la guerre, c'est à fleur. Le Smith et son, c'est à fleur. Ça, c'est à fleur. L'océan. Ça pourrait le faire. La ville d'Agadir, c'est pas là où on est. Non, on est au nord outpost, donc là on pourrait acheter des coquillages pour Amar, pourquoi pas. Et là il fallait que on trouve Maram à Twinula Valley, donc c'est là où on est. Donc on a quand même deux quêtes dans le coin, c'est pas si mal. Notre quête principale c'est absolument pas là, et ça c'est notre petite quête, ok, qu'on va pouvoir faire. Alors, est-ce que ça a l'air jouable ce truc? Recommandé de level 7. Ouais, on y va. Ah, on a notre White Rose potion qui est prêt à disparaître, il va falloir qu'on jette un oeil. D'abord on va faire ça. Alors, premier niveau, il ne se passe rien. Par contre, on se fait mordre par des vipères empoisonnés, rien que ça. On va prendre le coffre, la vie c'est pas très grave. On récupère 4 de jade, c'est pas mal. Encore réduire notre santé, peut-être pas quand même. Et on rencontre des bahars. Donc les bahars, c'est les trucs qu'on connaît là, qu'on avait recrutés et qui sont devenus nos soigneurs. Une espèce de grenouille bizarre. Ah, il va falloir qu'on répare un peu l'équipement. Non, pas besoin d'améliorer notre défense. On rencontre de nouveau des barres. Ok, très bien.
C'est level 7, hein, donc on roule un peu dessus. On récupère une potion. Augmenter l'attaque, non. Alors on est bientôt au dernier niveau. On arrive au bout. A priori rien de très intéressant pour parler à lui. Ah, des lézards empoisonnés. Putain, il nous a emprisonnés dans une genre de bulle là. C'était particulier. Parfait. Alors on récupère le croc de la vipère, plein de White Rose potions, un uniforme Shadow de l'ombre et un gift. Le parchemin du gladiateur, parfait. Alors voyons un peu du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Level 7. Régénération de mana, range 2000. Ah, c'est un sub-weapon, d'accord. Donc c'est un truc comme elle. Mais il est d'un niveau de moins. Et là, c'est Stamina Blue Shadow Uniform qu'on a eu. Peut-être pouvoir le donner à quelqu'un. Bon, ça va. Stamina plus 19. Ouais, ça reste mieux quand même. On va y filer. Pourquoi on n'utilisait pas ça? Parce que c'était cassé. Alors, c'est ce truc là qu'il faut qu'on répare. Hop, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Ça, ça marche? Ouais, ça marche. Hop là. C'est fragile hein, ça, hein. Juste 20 de durabilité. Au niveau des trinklets, on en a aucun. Hein. Non, on a plein de potions par contre, on va aller voir si on n'a pas des gens à soigner. Tout le monde pète la forme. Ah, on a nos géants qu'on pourrait monter éventuellement. Transformer en Giant Warrior. Bon, ça coûte juste de la thune, donc prenons. Qui c'est qu'on a d'autres? Level 15, level 19 ici, level 21, level 16. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut, il nous manque beaucoup trop de bois. Bon! Ça permet de se remettre un petit peu dans le bain. Alors du coup, on cherche Agadir. C'est vers le bas Agadir. On va aller chercher les coquillages, comme ça ce sera fait. Ah, il y a du bois là. On prend. Alors, est-ce que je suis pas sur la mauvaise rive? J'ai l'impression que je suis complètement sur la mauvaise rive. Demi-tour. Est-ce qu'on pourrait lui acheter un truc intéressant? Non. Franchement. Pas besoin d'un chien. Alors du coup, comment on y va? Marchant sur ce petit truc là? Bah nos potions sont sur le point de mourir, hein, mais tant pis, hein, la personne n'a pour s'en servir, donc... La vache, c'est bien isolé comme bled. Alors, marchand. Ah merde, c'est vrai, faut le permis. Putain, ça va coûter une blinde. Allez, on va prendre un permis temporaire. Ah, ça ira, merci. Voilà. Alors, il a des spécialités, mais bon, on s'en fout un peu. Après, c'est marqué qu'on peut le trouver dans la rivière, alors on pourra peut-être en trouver nous-mêmes. On verra. Bah du coup, vu qu'on a payé, on va prendre les trucs qui nous servent, hein, notamment ça, pour pouvoir réparer nos objets
un peu haut niveau. Principalement, je crois que c'était celui-là qui était level 15, ouais, qu'on pouvait pas réparer. Alors, à part ça, du poisson, de la nourriture, y a pas besoin. On va vendre des trucs par contre. Ça, on vend, ça, on vend, ça et ça, on vend. Le marteau level 2, on vend. L'arc haut niveau, on va le garder au cas où. Le reste, on va garder, je pense. C'est vrai que notre inventaire est bien plein, mais on a plein de gifts qu'il faudrait qu'on utilise. Hein. On pourrait acheter ça, mais je pense que c'est beaucoup moins. Alors après, on a elle qui a pas de monture, mais est-ce que c'est bien utile? Je ne suis pas convaincu. Allez. Alors toi, toutes les réponses peuvent être trouvées en haut d'une montagne. Intéressant. Donc lui nous dit qu'il peut pas le recruter parce qu'il n'a jamais eu besoin, enfin il n'a pas encore terminé d'aller tout en haut de la dernière montagne. Alors, on va lui filer ça, ça nous fera un peu de trucs de moins dans l'inventaire. En plus du coup on est à 30. On avait de la place pour un personnage. Ouais, on a plein de place pour plein de personnages, on peut tout à fait recruter si on veut. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Je te trouve très respectable et j'aimerais qu'on se rencontre plus souvent. Bah écoute, si t'as envie de me rejoindre, pourquoi pas. Donc là, il y a Basit qui l'embête. 418 tard. Bon. On va lui demander s'il veut nous rejoindre. Parfait, on est sûr qu'il nous a rejoint. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il a une lance et c'est tout. Ok, là il invoque un pic géant pour taper le sol. Là il se tape 3 fois. Il met de la régénération sur les alliés. Il gagne résilience. Il fait des tornades. Ah oui, on est sur un mec. Autant les autres, ils ont 2-3 compétences et que des boosts passifs, autant lui, c'est la teuf quoi. Un bon gros buffer, j'aurais pas cru. J'aurais franchement pas cru. Et nous d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais ça y est, on a débloqué le Dragon Blood. On peut se transformer en dragon plutôt qu'en espèce d'ours. Ça va être bon ça. Ça va être très très bon. Ne nous dispersons pas, il faut qu'on équipe notre nouveau péon. Donc déjà, on va réparer ce truc là, l'armure de marche. Ensuite, je pense que du coup, on va le donner à lui. Après, il peut utiliser que les lances, on n'a pas de lance. Donc on va tester ça au cas où, mais non. Donc, pour l'instant, il va rester avec sa lance toute pourrie, tant pis, c'est pas grave, hein, on fera avec. On peut pas leur donner d'objets, hein. Non, on peut pas leur donner d'objets. C'est moi où j'ai acheté. Attends, j'ai acheté 2 fois le même coquillage. C'est ça que vous me dites? Ah putain, du coup il faut que je repaye. Quel con, je me suis planté. Ah mais oui, j'ai acheté 2 fois le même, putain, il y en avait tellement que c'est 2 stacks. Bon bah tant pis, on en prend un autre. Voilà, hop. C'est un peu la tristesse. Est-ce qu'on peut pas vendre des trucs dont on se servira jamais, genre ça? Restore de la vie, le mana, on s'en sert jamais, des trucs de mana. Et hop. Ça fera de la place. Voilà, il nous donne même 28, on fera avec. L'apothicaire, est-ce que tu peux pas nous faire quelques trucs également?
Voilà, un peu de soin. Voilà, parfait, du mana non. Un peu de résilience. Voilà. Parfait. Et toi, t'es qui, toi? Ah, t'es la tenancière du coin? Problème. Alors, le sorcier, il voudra pas nous parler parce qu'on n'est pas le chef du coin. Et toi, t'as une quête peut-être? Oh bah, tu es des bandits, on va prendre. Alors, il y a un fermier ici qui nous dit un truc. Alors, vous avez l'air compétent, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, il nous murmure à l'oreille. Il y a une cave au nord-est. Mon grand-père est un brewer, c'est ceux qui font de la bière là. Le mot m'échappe. J'ai trop l'habitude d'utiliser brewer à cause de Dwarf Fortress. Du coup, je sais plus le mot français. Alors, il cache le meilleur vin dans la plus profonde de ses caves. Le problème, c'est que depuis le soleil noir, des barres, des vipères et des lézards. D'accord, bah c'est là où on vient de faire, non? C'est le truc qu'on vient de faire. Alors, il a l'air anxieux, qu'est-ce que vous dites? Les nobles aiment le vin qui est fin. J'ai envie de faire de l'argent, mais pas de mourir. Si vous voulez pas y aller, n'y allez pas. Si vous êtes inquiet à propos de la récompense, si jamais vous arrivez à ramener ce vin, il y aura de l'argent pour vous. Ah bah du coup, c'est le truc qu'on vient de faire. Ouais, en général, les trucs verts comme ça, c'est des cavernes de quête. Du coup, on va y aller. Est-ce qu'on peut y retourner? Apparemment, bon, bah, on va y retourner en speed. On va prendre notre nouveau, on va prendre... ces deux-là pour avoir un peu de soin. Il n'y a rien. On rencontre des barres. Parfait. Un petit peu de bois, je trouve ça de prix. On peut récupérer de la santé, on prend. La Magical Stone, on s'en fout. On rencontre de nouveau des barres. Elle a l'air efficace lui avec sa petite lance là, même si elle est level 1. Hop, on est arrivé à la fin. Et donc là... alors, il y a de la poterie cassée partout. Le vin a dû être détruit par les monstres. Vous vous sentez un peu mal pour le fermier et ses ambitions. Je confirme, c'est un peu triste. C'est sympa comme coin quand même. Bon bah on va leur parler du coup. En plus ça blesse hein ce truc. C'est dingue. On a récupéré de nouveau une Viper Fangs. Et une plume de pan. Ok. Parfait. Faudrait qu'on trouve un endroit où on a des chances de récupérer une lance. Putain, qu'est-ce qu'il leur a pris de construire ce bled dans cet endroit là, dans ce vieux marécage là? Alors, le vin a été ruiné par les monstres. J'aurais dû le savoir, comment ai-je pu être si stupide? Il est en train de pleurer. Malgré son désespoir, il nous donne des utards. Bah ouais, on prend. On n'est pas là pour... hein. On a quand même nettoyé cette cave. Mais oh. On a besoin de se refaire avec les...
les arnaques de tes chefs là. C'est de pire en pire pour les Dacs, non? Vache. Je suis comme ça dans les jeux, moi je choisis toujours ceux qui vont prendre cher. Allez, on va aller au Golden Bazaar. Pas par là, visiblement. Awaken the Sleeper. Alors, il y a quelqu'un qui dort ici. Mais vu ses habits, ce n'est pas un voyageur. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui dort juste là? Alors, est-ce qu'on veut la réveiller? On la réveille, ouais. Eh oh, debout, debout. Aucune réponse. On dirait qu'il est ivre. Peut-être que je pourrais trouver une bitter flower et la réduire en jus. Comme ça le réveillera. Pour le dosage, vu comme il est ivre, je pense que 5 devrait faire l'affaire. Merde, je crois qu'on les a toutes virées du coup. Je m'en suis servi pour faire des trucs, non? Bitter flower, il m'en reste 2. Bon bah, on essaiera d'en trouver 3 de plus. Alors, et vous avec l'épée, vous avez l'air capable. Je veux vous demander quelque chose. Un homme, un maudit sorcier, a enlevé ma femme. D'accord. Alors, d'après lui, le sorcier est allé dans les bois du côté de l'outpost nord du Golden Bazaar. Pourquoi pas. Alors, t'as une quête. Bah, on va faire, ouais. Ça, c'est assez facile à faire. D'ailleurs, on avait les... Alors, on va essayer de les ramener. Hop, eux, ils veulent bien. Donc ça c'est la quête de l'autre. On va essayer de se faire les fermiers avant qu'ils partent je ne sais où. Ah, on a récupéré des talents, on va aller chercher un autre talent de politicien. Ça m'a l'air sympathique ce petit chemin là. Non. Pas de fermier. Putain, où est-ce qu'il se planque, c'est con. Ok, eux ils sont ok pour revertir. Ici il y a deux bleus, mais c'est pas eux. On va faire mettre un petit rally point si j'arrive à cliquer dessus. Voilà. Ah, ok, ici il y a des gardes. C'est pas là qu'on veut aller pour l'instant. Où est-ce qu'ils sont allés se planquer? Bon, on va arrêter d'aider tout le monde parce que après les gens ils s'énervent quand on les aide. Vous m'avez confirmé dans les commentaires hein, que c'est quand on aide les caravanes d'une faction que du coup les autres factions vous aiment pas. Ce qui est un petit peu compliqué à gérer du coup. Ici il y a des bandits, j'aimerais bien me les faire, mais avant j'aimerais bien savoir où est le dernier fermier. Et du coup il doit forcément être au sud. Tiens, je suis passé à côté de ça, je l'ai pas vu tout à l'heure. Prends. Allez, on va partir un peu explorer par là. Les nazirs ont attaqué Triptocroc, mais ils ont échoué. Parfait, parce que... ça commencerait à faire plus beau grand chose pour les Dacna. Bordel, mais ils sont où? Alors ici, un petit peu de ressources, on va les ramasser.
Il y a des gardes, mais on peut pas leur parler. Elle est assez petite cette map en fait, hein. On arrive très très vite sur les outposts. Par contre, impossible de trouver ces foutus fermiers. Ouh, puis niveau nourriture, ça devient tendu. Faut qu'on trouve des gens à attaquer. Tiens vous. Ce cadeau. Je veux vous attaquer. Il y a un arbre. Je regardais la map, excusez-moi. C'est con. Ouf! Ah ouais! Alors quand je me transforme en dragon, c'est plus la même par contre là. Oh la vache! Ah ouais, le méga dégât de zone et tout. Cette violence! Je sens que je vais rigoler. Et où le dernier? Derrière. Ok, il est mort. Un petit peu de nourriture. Toujours ça de pris. Donc il nous aime pas. Jusqu'ici, on s'y attendait. Ici, on va regarder si les aventuriers de la dernière fois auraient pas laissé quelques loot. Ouh, il fait sombre. Un peu de date. Ouais, on récupère quelques trucs, mais rien de dingue. Bordel. Tiens, il y a de la thune par terre ici. Par contre, toujours aucun fermier, toujours aucun brigand d'ailleurs non plus. Si on va par là, il y a quoi? Rien. Mine abandonnée, level 3. Trouver le trésor, mais vous trouvez aussi ses gardiens. Ok, un petit peu de farine, ça devrait remonter un peu notre nourriture. On trouve pas de bois. Alors, on continue d'essayer d'entendre des informations à propos du cristal de sang. La rumeur dit que des monstres dans une armure noire ont été vus au nord de Half Moon Hills, Bazaar Southwest Outpost, in Twin Valley. Tant mieux, c'est là qu'on est. On a une intuition à propos d'eux. On décide d'y aller. Très bien, mais pour l'instant non. Pour l'instant, j'aimerais bien trouver ces foutus fermiers. Ils ont pas popé dans la ville. Non. Bon, bah puisqu'ils nous énervent, on va aller attaquer les bandits. Un camp fortifié de Church of Radiance. Il y a quand même du monde, hein. Une Eaten Witch, des Sagifrites, on attaque. Dans le tas! Allez, voilà ce qu'ils sont. Ok, ici, ici. Donc on va charger en ligne droite. Une fois qu'on les aura rasés.
violence de du dragon. Et puis je peux cracher le feu sur place, ça fait bien mal. Allez, on les a capturés, on va pouvoir passer à la suite. Parfait. C'est bizarre hein, parce que on a commencé dans cette zone là où c'était une zone relativement bas niveau. Ici c'est assez haut niveau, ici c'est assez haut niveau, mais là par contre, sachant qu'il faut traverser ces deux zones, hein, ça a l'air relativement, relativement bas niveau. Après je vais pas m'en plaindre, hein, franchement le jeu est quand même assez plaisant. Hop, on a tout pillé. Alors où est-ce qu'on n'a pas exploré? Ah, y a pas grand chose qu'on n'a pas exploré hein. Faut qu'on descende, on va descendre. Hein. On va descendre plein sud, on verra bien. Ici, on va récupérer ça. On aura des informations sur toutes les troupes de tout le monde. Ah ouais, la vache. On peut voir maintenant tout ce qu'ils ont. On voit que les Dax sont dans le mal. Ils ont 160 squads, 9 personnages. Les Nazirs, 13 personnages, 429 squads quoi. 310, 490. Ouais, on est. Visiblement, les Dax sont vraiment dans le mal. Hein. 4 territoires, 16 territoires, 10 territoires. Raison de plus pour devenir copain avec d'autres. D'ailleurs, ils sont toujours à Wari, hein, même si on a. On remarque qu'on n'a pas encore terminé aucune quête de leur. De leur village. Ah là, il y a un truc jaune. Ouais, mais comment ils avancent ça? Tiens, un joueur de musique. Filons-lui une petite musique. Il est intéressé par les trinkets et les instruments. Mais je déteste beaucoup de choses. Spécifiquement les White Roses. Bah, du coup, ça tombe bien, on va pas te parler puisqu'on a une White Rose dans notre groupe. Et toi qui tu es? Balance pour tous. Alors il n'y a rien que j'aime dans ce monde, mais j'aime bien les histoires, enfin je recherche quand même les histoires, enfin l'histoire avec un grand H, les histoires en s'entendant que conte, et l'équilibre. On peut lui filer un ancien morceau de musique, on va le faire. Est-ce que tu aimes bien quelque chose? Il aime bien Toya, je sais pas qui c'est, on va le recruter. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? T'as un staff, toi. Elle, c'est une wand. Non, c'est un staff aussi. Ok. Alors du coup, on est un peu à poil niveau équipement, mais on va te trouver ça. On va te trouver ce qu'il faut. On a récupéré pas mal. On va pouvoir monter de niveau, c'était elle qu'on voulait monter, transformer en prêtresse. Eux, on peut les transformer en anciens Dakn. Oui, ils gagnent deux compétences. Ils peuvent faire venir un familier empoisonné. Ouais, on va voir ce que ça fait. Mmh.
On manque un petit peu de corps à corps, ou encore que ça va. On a quand même de la, on a quand même de la ressource. Ok, on a cramé un peu nos ressources. On n'a toujours pas trouvé ces cons de villageois. Alors, je vais jeter un œil du coup. Il faut aussi qu'on trouve les bandits à côté d'Agadir. On va retourner dans ce coin-là. Après tout, on l'a pas fouillé, hein. Il y a peut-être une chance qu'ils soient dans le coin aussi. En fait, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.